Allez hop! Tout le monde cherche un petit coin de paradis. Qu'on ait un gros derche ou un tourikiki, on l'a pas choisi, cela dit. Il faut faire avec, ouais c'est ce que dit mon voisin, qui est pas un beau mec, son nom c'est Monsieur Bibadom, il est vraiment énorme, oui. Monsieur Bibadom, il est pas dans les normes. C'est 110 kilos, soyez sûr, que c'est pas du McDo, plutôt épicurien qu'autre chose. Voilà son credo, son nom c'est Monsieur Bibadom, c'est un sacré bonhomme. Monsieur Bibadom, le bonheur en personne. Casser de feuilleter les magazines qui voudraient le faire complexer sur la beauté masculine. J'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon étendue ni sur celui qui rit à la vue de mon gros cul. Je promène ma bedaine et quoi qu'il advienne, elle plaît à ma femme et ça, c'est bien ma veine. Mais comment assumer dans un monde si parfait son petit pet de travers? Oh mon Dieu, quelle affaire! Tout le monde cherche un petit coin de paradis. Et si on a un cas du flair, à mon avis c'est bien lui, son nom c'est Monsieur Bibadom, il est vraiment énorme, oui. Monsieur Bibadom, il est pas dans les normes. C'est 110 kilos, soyez sûr que ça freine pas sa libido. Si vous saviez le bruit que sa femme fait quand elle grimpe au rideau, son nom c'est Monsieur Bibadom, c'est un sacré bonhomme. Monsieur Bibadom, le bonheur en personne.